Let's open with a word of prayer. Heavenly Father, we thank you for your continued goodness. Père Céleste, nous te remercions pour tes bénédictions envers nous. Alors que nous commençons à investiguer l'œuvre de l'ennemi et sa relation au 2520, nous te demandons de nous bénir continuellement et de afin que nos esprits puissent être libres et ouverts pour comprendre les communications que tu essayes de, que ton peuple puisse avoir dans ces derniers jours. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. So as a way of a quick summary, alors pour faire un résumé rapide, nous avons vu que le modèle qui a été construit dans Apocalypse 11 has two groups of people sont deux groupes de personnes separated by a wall. Qui sont séparées par un mur. Nous avons passé beaucoup de temps à regarder à ces personnes qui sont dans le temple. There's another group which are in the outer court. Et il y a un autre groupe qui se trouve dans la cour extérieure. Nous avons montré que ce mur est le sabbat. Et nous avons discuté en long et en large qui est ce groupe. C'est les Adventistes, l'Église Adventiste du septième jour. Pour résumer rapidement, j'aimerais vous lire un passage qu'on a déjà lu. Premièrement, il se trouve dans Tragédie sexe 552.2. Satan cherche continuellement à vaincre le peuple de Dieu en brisant les barrières qui le séparent, qui séparent les hommes et les femmes. Israël ancien, et en fin de compte, Satan veut faire la même chose qu'il a fait avec l'Israël ancien. Donc là, elle dit que l'Église adventiste est l'Israël moderne. Donc c'était Tragédie et sexe 552.2. Maintenant, CET 92. Le premier jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu, mais j'ai vu qu'il se lisait de la même façon lorsqu'il avait été écrit sur les tables. Par le doigt de Dieu quand il a été remis à Moïse sur le Sinaï, mais le septième jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu, c'est le sabbat saint qui est le mur de séparation entre le véritable Israël de Dieu et les incroyants, et le sabbat est la grande question qui unit les cœurs. Et là elle parle de l'Israël véritable. Et la dernière dans Témoignage pour l'Église volume 7 page 109. Elle dit, nous, en ce qui nous concerne, nous sommes strictement confessionnels, nous sommes sacrément désignés par Dieu et nous sommes sous sa théocratie, nous sommes le peuple dénommé de Dieu. Et nous avons vu qu'en lien avec ces termes, il y a sept autres termes que nous avons regardés. Mais j'aimerais que nous soyons clairs comment Dieu voit ce groupe ici qui adore dans le temple. Parce que là, on comprend que c'est l'Israël moderne, le véritable Israël. C'est en contraste avec ce groupe-là qui est sur la, dans la cour extérieure. Il y a beaucoup de vérité, beaucoup de profondeur dans les Écritures. Même dans ces versets, il y a des profondeurs encore plus grande que nous avons et que nous n'avons pas exploré. On a pris juste un seul fil au sujet de ces versets sur la dispensation après 1044, que Dieu va créer un peuple. Il a créé l'Église adventiste du septième jour. On a discuté de la façon dont ça a été créé, le nom a été donné, et on a vu que dès la création, il n'y a eu que deux groupes qui ont été, dont un nom a été donné en tant que peuple de Dieu. Et il y a des différences entre ces termes, ces concepts, ces idées, et de la façon dont Paul, lui, il voit l'Église chrétienne dans la dispensation où on appelle l'Église du Nouveau Testament, de cette période de temps-là, de l'an 34 à 1844, qui montrait
Là, c'est le temps pour les gentils, hein. Mais dans Paul, quand il parle dans ses épîques de ce Paul, de cette église, la dynamique est différente de celle dont on a parlé après 1844. Donc là, il est critique pour nous de comprendre quand nous regardons au 2520 d'expliquer de quoi est. Quel est le but de Dieu par rapport au 2520 et comment sa volonté est accomplie, même quand son peuple échoue et brise l'alliance avec laquelle il était rentré avec Dieu. Donc ce concept, cette idée, on en a parlé plusieurs fois, l'alliance. Et j'aimerais donc brièvement discuter de cette idée dans le concept. Et maintenant, nous avons été dans Lévitique 26, là où nous avons commencé et nous avons regardé au verset 1 et 2 comment Dieu a donné des instructions à son peuple. Il devait révérencer donc le Saint Sabbat et il devait garder l'alliance, parce que s'il brisait cette alliance, il aurait eu une malédiction. Et on a étudié cela avant, on a regardé à ce concept, on va regarder à ce concept de cette relation d'alliance. Je vais juste vous donner donc un aperçu de cette idée d'alliance. Parfois, en tant que peuple de Dieu, nous sommes confus avec ce terme d'alliance. Égal. Et j'aime bien utiliser cela, égal ou équivalent, parce que cela nous permet de simplifier, que les choses soient claires dans notre esprit. Clairement, c'est les 10 commandements. If we can grapple with that and understand it and be comfortable. Et si nous pouvons comprendre cette idée et être à l'aise avec ça et expliquer toutes les complexités et toutes les anomalies apparentes que nous pouvons trouver dans les Écritures quand on regarde à l'Alliance, l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance, toutes ces différentes idées, nous pouvons comprendre l'Alliance, que l'Alliance c'est vraiment les 10 commandements et cela clarifie les choses et rend les choses très simples. Mais nous avons lu aussi que le sabbat is a sign. Que le sabbat est un signe. It's an idea that, c'est une idée que nous, en tant qu'adventistes, nous sommes assez confortables avec ça et familiers. Nous avons lu que c'est un signe de l'alliance. Et il y a des raisons variées, des pensées variées pour laquelle Dieu dit cela, mais c'est une plusieurs façons pour nous comparer avec comparer le sabbat par rapport aux neuf autres. Mais c'est un signe qui montre qui sont les observateurs des commandements de Dieu et qui sont entrés dans l'alliance avec lui. So we know at Mount Sinai. Nous savons qu'au Mont Sinaï, Dieu est entré en relation d'alliance avec Israël ancien, et l'alliance était, et parfois nous disons l'ancienne alliance, c'est que si vous observez mes commandements, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Maintenant, le terme, les détails de comment fonctionne cet accord, cette alliance, elle varie. Quand Israël est rentré premièrement dans cet accord, dans cette alliance avec Dieu, nous savons qu'ils ont échoué. Ils ont dit, tout ce que tu nous dis de faire, on fera, et très vite, ils ont fait le veau d'or, ils ont brisé l'alliance. Nous savons qu'ils ont brisé l'alliance. Nous savons clairement, à partir de cette histoire, ce qu'était l'alliance, parce que quand Moïse descend de la montagne avec les tables de pierre, pour montrer qu'ils ont brisé l'alliance, il brise ces tables de pierre. Il les brise comme un signe que l'alliance, qui est représentée par les 10 commandements sur ces tables de pierre, est brisée. Et en raison de la repentance, nous savons que l'alliance a été rétablie avec le peuple parce qu'il y a
il y a eu une deuxième série des 10 commandements. Je ne veux pas donc discuter de cette idée de l'ancienne alliance, mais il y a une différence entre l'ancienne alliance et essentiellement garder la loi, ces 10 commandements dans sa propre force. Et la nouvelle alliance, c'est de garder ces 10 commandements dans notre cœur. Nous savons que cette nouvelle alliance est de cette façon que Dieu l'a décrit de nouveau. Cette nouvelle alliance dans l'Ancien Testament, il dit qu'il va écrire cette alliance dans notre cœur. Donc que ce soit le nouveau ou ancienne alliance, nouvelle ou ancienne alliance, c'est les 10 commandements, et cela fait référence à notre capacité à un terme, un accord, que ce soit par nous-mêmes ou par la puissance de Dieu pour garder cette alliance. La complexité arrive quand nous commençons donc à mettre des éléments dans cela, parce que associé avec cette relation d'alliance, qu'il y avait aussi les lois cérémonielles, et parfois nous sommes confus et nous pensons que le système cérémoniel, c'est en quelque sorte une partie additionnelle ou un élément additionnel de cette alliance. Mais c'était vraiment une façon de fonctionner, de vivre sous les termes et les conditions que Dieu avait données à son peuple Israël ancien. L'une des choses qui s'est passée au Mont Sinaï est que le sabbat a été réinstitué et les 10 commandements étaient donnés. Donc quand nous arrivons à la dispensation après 1844, une des choses qui vient de nouveau est cette idée qu'on va rentrer dans l'alliance avec Dieu, rentre en alliance avec son peuple. Nous l'avons lu à plusieurs fois. Ellen White utilise ce terme, c'est construit dans ce raisonnement la question du sabbat. Donc le sabbat est un élément vital de rétablissement de l'alliance que Dieu a avec son peuple dans l'Israël, avec l'Israël moderne. Son peuple qu'il a nommé, c'est le sabbat, la vérité du sabbat qui manquait depuis des siècles. Et il réintroduit cette vérité et que le peuple de Dieu l'accepte. Maintenant, nous savons que la relation d'alliance entre Dieu et son peuple a été rétablie. Et l'histoire, Sinaï, le fait de donner la loi et l'histoire du peuple de Dieu, l'Église adventiste du septième jour après 1844 est identique. Ces deux histoires sont identiques quand vous les mettez en parallèle. Vous commencez à voir des similitudes et à un niveau simple. Une chose que nous savons assurément, c'est que les 10 commandements dans toute la composante a été rétabli après l'expérience du 1844, quand l'Église a été rétablie et informée sur le sabbat. Et le terme qui est utilisé dans le Nouveau Testament, c'est le concept du peuple de Dieu comme étant un temple. Donc, nous savons que le temple représente le peuple de Dieu, et même dans Apocalypse 11, 1, nous en avons déjà parlé, le mentionne. Donc quand ce temple est totalement formé, rétabli, l'Église adventiste du septième jour, donc Dieu attend à ce que ce peuple puisse garder l'alliance qu'il vient de rétablir avec eux. Donc il y a un élément important qu'on passe à côté dans cette histoire d'alliance, c'est que le sabbat, et c'est ce qu'Ellen White nous dit, on l'a lu, que le sabbat c'est ce qui met ce mur de séparation et qui nous démarque de tout le monde. Nous allons donc mettre cette partie de l'étude d'une partie et nous allons la reprendre plus tard quand on arrivera à la fin de notre étude des 2520. Mais j'aimerais que vous puissions comprendre la raison pour laquelle nous sommes allés et nous avons travaillé sur ce point concernant le peuple dénommé de Dieu. Cette séparation, c'est pour montrer cette idée qu'Israël revient sur la scène dans l'alliance, quand Dieu rentre en alliance avec son peuple, et cette alliance a été rétablie après 1844. Et quand cela s'est passé, donc alors il y a une distinction entre son peuple et quelqu'un, son peuple et les autres. Il y a vraiment
Et ce modèle, on ne le voit pas avant 1844. Donc si nous allons dans nos Bibles maintenant. To Revelation 12. Si nous allons dans Apocalypse 12. All Adventists are familiar with. Revelation 12, un passage avec lequel les Adventistes sont familiers, ce concept, cette idée est encodée dans ce verset. Apocalypse 12, 17. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence qui garde le commandement de Dieu, le témoignage de Jésus. Là, on voit trois groupes de personnes. Nous avons lu au sujet de la femme, sa semence. Et le reste. Of the seed. Le reste de la semence. And we as a people are familiar that. Et en tant que peuple, nous sommes familiers qu'il n'y a pas de distinction entre ces trois groupes. Ça représente qu'un seul, une seule continuité de ce qui a commencé au début. Donc, on voit que la femme est la même substance de la semence. Et donc, ça sera donc le reste de la semence. Et d'une façon très simplistique, dans le chapitre 12, nous voyons que cette idée de continuité du peuple de Dieu comme étant sur terre, qui a été rétablie, c'est un territoire familier pour nous. You will have noticed that vous avez noté que j'ai travaillé sur deux points spécifiques. Le temps, l'historique, la période historique de ce verset, afin que nous puissions comprendre clairement que cela traite de l'histoire qui a commencé en 1844. Et le deuxième point, c'est que quand cette histoire commence, il y a deux groupes de personnes, Israël qui revient sur la scène, ils gardent les dix commandements et ils rentrent de nouveau dans l'alliance avec Dieu. Il y a donc deux groupes de personnes. S'il y a des questions, n'oubliez pas qu'il y a d'autres versets, d'autres vérités qui sont dans ces versets que je ne traite pas. Mais il y a différentes idées, différents modèles. Ne soyez pas challengés avec d'autres informations qui vous ont été données que je n'aborde pas dans ces versets. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde au chapitre 2 d'Apocalypse 11. Mais la cour qui est en dehors du temple, cela ne la mesure pas car elle est donnée aux gentils et ils piétineront la ville sainte pendant 42 mois. Donc je veux me pencher sur cette idée de ces gentils. Et c'est 42 mois. Now we've already taken nous savons déjà, nous avons regardé superficiellement à ces gentils. Nous avons dit que c'était aussi le peuple de Dieu, les gentils sont distincts du peuple de Dieu et les noirs les appellent les païens, les gentils. Donc, ce sont des dénominations qui sont séparées de nous. Mais dans le contexte de cette discussion, quand on parle des 42 mois, cette idée de qui sont les gentils, c'est un terme général. C'est spécifique pour ce groupe de personnes. C'est une puissance spécifique. Et j'aimerais qu'on prenne du temps à regarder à cela. Et relier les morceaux ensemble. Si vous vous rappelez, quand nous étions dans l'évangile, dans les évangiles, l'information qui nous a emmenés ici en premier lieu, je ne vais pas vous lire les écritures, mais le passage que j'ai reformulé, qui combine les trois évangiles ensemble, et je les ai mis dans mes propres mots. Alors Jérusalem sera foulée aux pieds par les gentils jusqu'à l'époque où le temps des gentils sera accompli. Pendant ce temps, le temps des gentils, il y aura une grande tribulation supérieure à tout ce que le monde a déjà vu. Nous avons vu clairement comment nous pouvons lier ce passage ici que nous avons trouvé dans Matthieu, Marc et Luc, et que nous pouvons le lier à l'Apocalypse 11. Et nous avons utilisé ces termes ici, piétinement des gentils. Nous
J'aimerais aborder qui sont ces gentils. Ce terme, qu'est-ce qu'il veut dire quand on dit le temps des gentils? Le temps des gentils est au pluriel, donc gardez cela dans l'esprit. Ces 42 mois, je ne vais pas aller en avant, je n'ai pas prouvé parce que les Adventistes qui ont déjà écouté des présentations sont familiers avec cette information. Les 42 mois, premièrement, un mois égale 30 jours. Nous pouvons trouver cela à partir de Genèse rapidement. On fait le calcul rapidement. Et il y a aussi 12 mois. Dans une année, il y a des parties de l'Ancien Testament qui vont nous montrer cela, comme des faits historiques, tout comme le livre d'Esther qui nous montre qu'il y a 12 mois dans une année. Ce n'est pas... Donc, s'il y a 30 jours dans un mois... Write this the other way round. Je vais l'écrire différemment. 30 days equals 1 month. Il y a 30 jours égale un mois. 12 months equals 1 year. So et 12 mois égale un an. Donc combien de jours qu'il y a dans un année? Donc on fait 30 fois 12. And we get the answer 360. Et on a 360 jours. 3, 12, 36. 12, 24, 36. So donc, nous savons qu'on a 360 jours dans une année, très simple. 42 months, donc si nous faisons 42 mois, times 360, fois 360, sorry, times 30, we get 1260. Désolé, 30. 42 mois fois 30, on arrive à 1260 jours. Now, this time prophecy, this 1260 cette prophétie de temps maintenant, les 1260 jours, the most important peut-être time prophecy there is in the la Bible. Prophétie de temps le plus importante dans la Bible. La raison pour laquelle je dis cela, c'est parce que c'est la seule prophétie qui vient sept fois. Elle apparaît sept fois dans la Bible. Nous savons que Dieu ne répète pas les choses comme cela. Il veut vraiment essayer de nous dire quelque chose au sujet de l'importance. Et oui, l'importance de cette prophétie de temps. Je vous donne les sept passages où on trouve... Daniel, et ça se trouve dans les livres de Daniel et d'Apocalypse. Daniel 7, 27. Daniel 12, 7. Daniel 12, 7. Revelation 11, 2. Apocalypse 11, 2. C'est ce dont nous parlons là. Apocalypse 11, 3. 12, 6. 12, 6. 12, 14. 12, 14. And 13, 5. Et 13, 5. It's a very interesting study to go through these. C'est une étude intéressante à faire de voir ces sept versets, de les aligner et de commencer à identifier les similitudes entre ces différents passages. En faisant cela, ce que nous allons découvrir, c'est que nous avons... Seven occurrences of this nous avons ces sept mentions des 1260 années en utilisant un jour pour une année et que ces passages utilisent des termes différents. Parfois, ils disent temps, la moitié d'un temps. Des fois, ils utilisent le mot 42 mois ou l'expression en anglais, 1200 scores. Et ensuite, quand on commence à collecter les informations et qu'on voit les similitudes, ce qui est simple à faire, c'est que cette puissance dont il est fait mention, donc il s'agit dans ces sept passages du même
de la même entité, de la même puissance qu'il est mentionné là dans les sept passages. Qui que ce soit, ces gentils là, quels qu'ils soient, ils vont piétiner Jérusalem durant 42 mois. C'est le même, la même puissance qui est traité dans tous ces sept passages. On ne va pas passer du temps à aller dans le passage, mais je voulais vous montrer la connexion entre Apocalypse 11, 2 et avec les autres passages. En fait, je vais vous laisser aller trois de ces passages. Donc, on va tackle Daniel 7:25. Daniel 7, 25, on va relever trois passages des sept là. Daniel 12, 7. Revelation 11, 2, obviously. Et Apocalypse 11, 2, évidemment. The passage that we've already dealt with, which is Luke, et le passage qu'on a déjà traité, 21, c'était Luc 21, 24. Where we started this thread of investigation. Et c'est là où nous avons commencé cette investigation. Donc, si nous allons dans nos Bibles, Daniel 7, et lisons Daniel 7, le verset 25. Daniel 7, verset 25. The word reads, and he shall speak great words against the Most High. Il prononcera de grandes paroles contre le Très-Haut. Il épuisera les saints du Très-Haut et pensera changer les temps et les lois. Et les saints seront livrés en sa main jusqu'à un temps des temps et une moitié des temps. Je ne vais pas prouver qu'un temps des temps et la moitié des temps, c'est 1260 années. Il y a différentes façons de le montrer, mais la chose que j'aimerais relever là, c'est qu'il est dit, il va prononcer grandes paroles contre le Très-Haut et épuisera les saints du Très-Haut. Donc quand on a été dans Daniel 7, il parle de cette petite corne, il va épuiser donc les saints. So that's the phrase that we're picking out from Daniel chapter 7. C'est cette phrase que nous relevons de Daniel 7. If we turn to Daniel chapter 12. Et maintenant si nous allons dans le verset 7 de Daniel 12, et j'entendis l'homme vêtu de lin qui est au-dessus des eaux du fleuve, lequel leva sa main droite et sa main gauche vers le ciel, et jura par celui qui vit pour toujours que ce sera pour un temps des temps et la moitié d'un temps. Et quand il aura achevé de disperser la puissance du Saint-Peuple, toutes ces choses seront terminées. Daniel 12, 7. Ici, là, il est mention de dispersion. De disperser le pouvoir du peuple saint. It's talking about the same thing. Cela parle de la même chose. When we're dealing here, we're dealing with the little horn. Alors, quand nous parlons de là, c'est que nous parlons de la petite corne. Daniel chapter 12, verse 7, we're dealing with the king of the dans Daniel 7, on parle de la petite corne. Dans Daniel 12, on parle du roi du Nord. Daniel chapter 7 are donc, Daniel 7 et 12, c'est qu'une seule prophétie. Et si on va on tire notre fil et on va de Daniel 11 à Daniel 12, et là, on parle de lui, c'est le lui avec lequel on traite dans ces chapitres. Et quand il va venir pour accomplir, pour disperser cette puissance, on parle du roi du Nord. Donc Apocalypse 11, 2, on nous dit que la cité sainte sera foulée au pied. Donc là, il y a donc un piétinement. Et cela parle des gentils. Hein. And we've already et done si vous lisez again, Luc 21, 24, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les gentils jusqu'à ce que le temps des gentils soit accompli. Et ici, il est dit foulée aux pieds. And it's these Gentiles that are doing this. Et ce sont les gentils qui font cela.
Nous savons ce piétinement, et ce piétinement est le même langage, et c'est ce qui nous donne la capacité de les connecter, connecter Luc et l'Apocalypse ensemble. Mais quand cet épuisement des saints, cette dispersion du pouvoir du peuple saint est piétiné, tout cela parle de la même chose. Ces entités-là, cette petite corne, la roi du Nord et les gentils, sont le même, c'est le même pouvoir. On peut aller dans tous ces passages et nous pouvons relever des fils, nous pouvons voir les connexions différentes des différents passages et relever des points. Et en faisant cela, on va voir clairement dans ces sept points qu'on a relevés qu'on parle du même, de la même puissance. Ce n'est pas le sujet à l'étude. Mais vous pouvez relever que les mêmes actions, les mêmes activités de ces puissances sont décrites avec une image différente, mais ça parle de la même puissance. Nous n'avons aucun problème de comprendre que cette petite corde dans Daniel 7 parle de la papauté. Certaines personnes ont déjà vu des présentations, peut-être ne sont pas conscientes. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont étudié Daniel 11 ou en lien avec Daniel 7. C'est un peut-être territoire qui n'est pas familier pour certaines personnes. Mais ce roi du Nord à la fin du monde est la papauté. Donc quand nous arrivons à Luc, quand nous allons d'Apocalypse 11, cette idée de gentil traite aussi avec la papauté. So, Revelation 11, verses 1 and 2. Apocalypse 11, 1 et 2. Remember, when you're looking at scriptures, rappelez-vous, quand vous regardez aux Écritures, il y a différents points à apprendre dans le même verset. Nous, on a relevé un point, c'est qu'il y a deux groupes à la fin du monde. Il y en a un groupe dans le temple et un dans la cour extérieure. Et ensuite, nous avons pris cet autre concept par rapport aux gentils, particulièrement dans le sens prophétique, lorsqu'on parle des 42 mois, des 1260 jours, où on parle de l'activité de la papauté, l'activité de la papauté durant ces 42 mois ou 1260 jours qui piétinent Jérusalem, le peuple de Dieu. Et donc, non seulement le verset 1 et 2 d'Apocalypse 11 nous donne cette histoire après 1144, mais ça nous donne aussi un aperçu de l'histoire avant 1144 aussi. Cela nous donne toute cette histoire en continu. Maintenant, c'est une étude sur les 2520. Nous n'essayons pas de prouver ou de rétablir les 1260 années de la prophétie. Quand je vous donne une ligne de temps de cette période, je n'essaye pas de prouver ces dates parce que ce sont des informations historiques. Vous pouvez aller dans l'esprit de prophétie pour prouver cela. C'est déjà des vérités établies au sein de l'adventisme. Donc, ces 1260 ans dont on en parle, qui commencent en l'an 538 et qui se terminent en 1798. Et cela représente 1260 années. Et je dirais que l'événement qui marque, qui pointe le commencement des 1260, c'est lorsque la papauté monte, s'élève en tant que roi du monde et que la troisième corne de Daniel 7 est ôtée. Et cela s'est passé en l'an 538. Et ensuite, la prophétie, elle se termine 1260 années plus tard quand la papauté, elle va recevoir sa blessure mortelle. Quand Napoléon avait sous le général Berthier, il va donc emmener en captivité le pape. Donc là, c'est les événements historiques qui marquent et qui terminent cette période. Mais j'aimerais que nous comprenions cela pour que vous puissiez comprendre que c'est de ce qu'il est fait mention dans le verset 2 d'Apocalypse 11. Donc dans Apocalypse 11, il y a deux choses que nous avons. Nous avons 538, cette période-là, de 538 à 1798. Et ensuite, nous avons une autre période de temps, de 1844 et suivant. Et cette période de 1844, nous parlons donc de deux groupes distinctifs, l'adventisme du septième jour et les gentils.
Et nous parlons aussi dans cette période-là, de 1260, de la papauté qui foule aux pieds le peuple de Dieu. Et c'est là où je vous ai emmené dans Apocalypse 12, 17, où qu'on peut voir cette continuité par rapport au peuple de Dieu qui parcourt l'histoire. Now, remember, using the terminology that's given in Luke, we're talking rappelez-vous, en utilisant la terminologie qui est donnée dans Luc, le temps des gentils, les temps des gentils, nous savons que ces 42 mois ou 1260 jours nous ont été donnés. Nous savons que cette période de temps-là, nous en avons déjà qu'une seule. Mais rappelez-vous que je vous ai dit qu'il nous est dit les temps des gentils au pluriel. Hein. Donc, il nous parle au pluriel, deux temps des gentils. Donc, l'un de ces temps des gentils dont il est fait mention, doit être celui-là. Et je vais mettre au singulier, là, c'est le temps des gentils. Voici le temps des gentils, où les gentils gouvernent. Ils vont persécuter et piétiner le peuple de Dieu, 538 à 1798, 1260 ans. Donc c'est le temps des gentils dont il est parlé dans Luc, chapitre 21, verset 24, il dit « temps » au pluriel. Rappelez-vous, lorsque nous en regardons cette étude, nous avons été dans deux endroits, Daniel et l'Apocalypse, et nous avons montré qu'il y avait un autre temps des gentils quelque part ailleurs. Donc, ce premier temps des gentils dont on parle, c'est les 1260 ans qui commencent de 538 à 1798. Et nous avons tiré cela à partir de Luc, puis dans Apocalypse, pour confirmer que Apocalypse 11, 2 parle de la papauté et qui persécute le peuple de Dieu. Et nous savons que les 42 mois représentent 1260 années. Donc nous pouvons avoir cette ligne de temps là, qui est clair que le temps des gentils décrit dans Luc est les 1260 années, au moins à un niveau. C'est la première partie de notre étude que nous avons regardée à travers Apocalypse 11 et nous avons essayé de glaner le plus d'informations possible pour le moment à partir d'Apocalypse et ce que nous avons trouvé, c'est que le premier élément des temps des gentils est tiré directement de Luc 21 et en connexion avec ce concept, le temps des gentils des 1260 années, le piétinement de la, ou la persécution des gentils, nous avons cette idée que ce modèle, ce concept à la fin du monde, qu'il y a deux groupes distincts, c'est qu'il y a donc le peuple adventiste qui est le peuple dénominé de Dieu qui est entré dans une alliance avec lui. Et il y a ce groupe-là qui est investigué, qui est mesuré, alors que l'autre groupe ne l'est pas. Ça n'a pas échappé à votre attention que là, c'est la période du Moyen-Âge dont nous avons parlé dans les évangiles. Rappelez-vous, nous avons ces trois histoires. Rappelez-vous, dans l'histoire du milieu, on parlait dans les évangiles, il nous est donné des dates. 538, 1798. C'est quand nous allons dans le livre de l'Apocalypse que nous pouvons vérifier que ces dates que je vous avais donné au Moyen-Âge sont correctes et que c'est les 1260 années. So we're going to go back into the Gospels now, briefly. Maintenant, on va retourner dans les Évangiles. On va prendre le deuxième fil que Dieu nous a donné et qui nous a permis d'aller dans, qui nous permet d'aller dans le livre de Daniel. Il nous a donné un fil qui nous a permis d'aller dans l'Apocalypse en accord avec ses instructions pour comprendre les informations, glaner les informations qui nous permettraient de comprendre quel est ces temps des gentils et avec qui est en lien avec les 1260. Mais aussi, il nous parle du contexte historique. Du contexte de qui sont ces adorateurs dans le temple. Go back into the Gospels.
qui sont aussi assez gentils. Cela nous a permis de découvrir cela. Et maintenant, il nous faut retourner dans les évangiles pour aller et suivre le fil de Daniel. Donc, on va regarder de nouveau à Matthieu, Marc et Luc. Donc, Matthieu 24. Marc 13, 14 et Luc 21, 20. Je ne vais pas lire les évangiles individuels. Vous allez le faire, vous, mais en lien avec cela, nous avons lu aussi Jésus-Christ, la page 630. C'est le chapitre 69. C'est le chapitre qui parle de toute cette prophétie. Je vais résumer. Ces trois évangiles. Et voilà comment je dis. Quand vous verrez Jérusalem entourée par des armées, qui sont les abominations de la désolation décrites par Daniel, qui se tiennent dans le lieu saint, là où ils ne devraient pas être. Vous savez que la désolation de Jérusalem est proche. Que celui qui lit cette prophétie comprenne. Donc, il y a plusieurs choses qu'il nous faut relever ici. Hein. Il y a donc une armée dont il est fait parler. L'armée dans un évangile, l'armée dont on parle dans Luc, s'appelle aussi de noms différents, est appelée différemment dans Matthieu et Marc. Cette armée est appelée l'abomination of desolation. De la désolation. And God says, when you see this army, et Dieu dit, quand vous voyez cette armée, cette abomination de la désolation, se tenant in the holy place, dans le lieu saint, then know. Donc vous savez, quand vous voyez ce signe ici, vous savez que la désolation ou la destruction de Jérusalem est tout juste sur le point de se passer. So, you're living in Jerusalem. Vous vivez à Jérusalem. You see an army come. Et vous voyez une armée qui vient. Et vous voyez que cette armée se tient dans le lieu saint, là où elle n'est pas supposée être. Vous voyez, quand vous voyez cet événement se passer, vous savez que la destruction de Jérusalem ne s'est pas passée, mais sur le point de se passer. C'est une prophétie très intéressante. Et ensuite, Christ dit que toute cette histoire, cet événement, tout cela là, ce qui a été prophétisé, qui va se passer, et cette prophétie est trouvée dans le livre de Daniel. Donc si vous voulez comprendre cette prophétie, il vous faut aller dans le livre de Daniel pour comprendre ce qui se passe. Et en fait, ce n'est pas qu'une simple recommandation. Dieu veut vraiment instruire ses disciples à retournez dans le livre de Daniel et de réétudier ce qui s'est passé afin que vous puissiez faire une préparation nécessaire pour quand ces choses vont se passer. Dans le livre La Grande Controverse, Ellen White décrit cette histoire en long et en large. On sait que la destruction s'est passée en 70. On en a déjà parlé, la destruction de Jérusalem s'est passée en l'an 70. Dans les études précédentes, on en a parlé. J'aimerais juste vous montrer rapidement les séquences des événements qui se sont passés ici, de façon très simple. Parfois, les personnes sont renversées par ce terme-là, le lieu saint, et elles s'attendent, les chrétiens évangéliques s'attendent que ce lieu saint soit en référence au temple, et ce n'est pas le cas. Il ne s'agit pas du temple. Hein. Simple map of Jerusalem. Si dessine une carte simple, c'est la carte de Jérusalem, là, donc autour de Jérusalem, là,
Et je le mets dans une ligne pointillée parce qu'il n'y a pas de frontière, barrière. Donc à une certaine distance. There is this concept that il y a ce concept. Is a walled city, bien que Jérusalem soit une ville fortifiée. And in one level, this is a holy place. Remember, et à un niveau, c'est le lieu saint. Rappelez-vous, si nous allons dans Apocalypse 11, verset 2, il est dit une ville sainte qui sera piétinée. Donc ce concept est Jérusalem est saint, ça ne doit pas nous surprendre. Donc quand on parle de ce lieu saint, il nous parle de Jérusalem ici, là, qui est donc le lieu saint. Ça nous parle de Jérusalem comme étant un lieu saint, qu'on emmène ce concept, ce qui entoure Jérusalem. Il y a de la terre là, en dehors des murs de la ville qui sont considérés comme faisant partie de Jérusalem. Mais Jérusalem ne se termine pas au mur. Jérusalem s'étend au-delà du mur. Et la raison pour laquelle nous savons cela, c'est parce que quand nous voyons l'Israël ancien qui arrive au pays de Canaan et que le pays est distribué parmi les 11 tribus, nous savons que les Lévites n'ont pas d'héritage, mais les Lévites, on leur a donné des villes appelées les villes de refuge, mais parce que les Lévites n'ont pas d'héritage, mais ils ont des villes, ils ont besoin de terre pour travailler. Donc, associés avec ces villes, on leur donne une terre qui s'étend à des centaines de mètres au dehors de la ville. Donc, ce concept, cette idée que la ville s'étend au-delà des murs lui-même est introduite. Et si vous lisez attentivement toute cette dynamique au sujet du concept des villes de refuge, nous savons que c'est un fait historique. Si vous êtes poursuivi, donc je vais vous donner un scénario. Vous êtes en conflit avec un frère et il est tué dans cette lutte. Que ce soit un accident ou pas, qu'importe. Premièrement, votre première préoccupation, c'est d'aller dans une ville de refuge parce que ses parents ont le droit de vous tuer et de vous punir. Donc, ce qu'il vous faut faire, il vous faut fuir dans une ville de refuge pour avoir un jugement parce que c'est là où on peut juger. Maintenant, ce qui se passe, dès que vous arrivez dans les frontières de cette ville, vous êtes considéré comme libre. Donc, dès que vous dépassez cette barrière, vous savez que vous êtes dans la ville. Et c'est de là que vient toute cette idée que la ville en elle-même et ses frontières et n'est pas que dans les villes. Il y a aussi la zone autour. Qui était pour les Lévites et qui maintenait cette ville. Les Lévites travaillaient sur cette terre, donc tout cela fait partie. Donc cela ne fait pas référence quand on dit « se tient dans le lieu saint », ça ne veut pas dire qu'ils sont dans les murs de Jérusalem, ça veut dire qu'ils sont à l'extérieur de Jérusalem, sur cette terre qui entoure la ville fortifiée. Donc il y a encore... Il y a cette idée de cette zone qui entoure Jérusalem. Et c'est important à voir. Si vous voyez là que la cité, alors dès que vous avez donc brisé le mur, vous êtes en possession de la ville. Mais là, la ville est siégée. Quand elle est assiégée, Jérusalem, c'est la zone qui en dehors du temple, de la ville fortifiée. Donc on n'aurait pas pu dire voir que Jérusalem était sur le point d'être détruit si ce n'était pas le cas. Que le lieu saint, c'est aussi la terre qui entoure la ville. Donc, il nous faut comprendre
que cette terre qui est en dehors de la ville fait partie aussi du Dieu Saint, de la ville sainte. Et c'est ce qui s'est passé. Jean, Rome est venu et a placé sa bannière dans à l'extérieur des murs de Jérusalem. Mais ensuite, elle a été distraite et ils sont partis. Ils ont enlevé le siège. Ils doivent aller à un autre endroit. Et dans cette période de temps, quand ils viennent et ils placent leur bannière dans le lieu saint, et ensuite quand ils partent, si vous êtes un chrétien, que vous avez lu cette information-là, vous savez que quand vous voyez cet événement se passer, vous les voyez planter leur bannière, leur drapeau dans le lieu saint, vous savez que c'est un signe que Jérusalem est sur le point d'être détruite. Donc s'ils s'étaient restés et que vous dites, oh, ça semble être un signe, vous n'aurez pas été en mesure de voir le signe. La capacité, c'est de voir cette séquence d'événements, de voir ces événements se passer, et que quand Rome part et qu'il enlève le siège de Jérusalem, cela vous donne cet espace pour les chrétiens. Donc parfois, ils comprennent ce qui se passe, et ils peuvent donc partir et savent que la destruction de Jérusalem est sur le point d'arriver. Et donc ce court espace quand Rome part, c'est cette période qui permet aux Juifs de partir. Et plus tard, quand les Romains reviennent, et là, ils restent, et là, ils détruisent Jérusalem en l'an 70. C'est une synopsis brève que ces versets nous donnent. Ça nous parle comment Rome est venue, ils sont restés, ils ont planté leur bannière dans le lieu saint, et ensuite ils sont repartis, et ils sont revenus, et Ellen White dit dans la grande controverse, les chrétiens, aucun chrétien n'a péri. Et c'est là que la prophétie de Jésus est accomplie, quand aucune pierre ne restera sur du temple. Et cette prophétie se trouve dans le livre de Daniel. Donc il nous est demandé de retourner dans le livre de Daniel et de voir où se trouve cette prophétie et quelles informations Daniel nous donne. En résumé, the book of Revelation. We have found sommes allés dans le livre de l'Apocalypse. Nous avons trouvé le premier fil du temps des gentils. C'est 1260 années. Maintenant, nous allons dans le livre de Daniel et trouver un autre fil, plus d'informations au sujet du temps des gentils. Nous avons donné la licence que Dieu nous donne de rejoindre ces mettre ensemble ces pensées, ces concepts, afin d'avoir une meilleure image de ce sur quoi portent les 2520, ce que cela signifie pour nous, comment ça nous impacte aujourd'hui, comment ça impacte Israël ancien. Et avant que nous finissions cette étude par la prière, gardons à l'esprit cette idée que dans la dispensation après 1844, que le peuple de Dieu qui garde l'Alliance a été rétabli en tant que Israël moderne et revienne sur scène. Et c'est un concept très important qu'il nous faut saisir sur ce que représentent les 2520 et quel était le but de Dieu en nous donnant cette prophétie. Terminons en priant. Père Céleste, nous te remercions pour ta bénédiction, tes miséricordes continues. Alors que nous mettons ensemble les morceaux ensemble sur les 2520, je prie que tu puisses nous donner un cœur ouvert et un esprit ouvert pour entendre ta voix nous parler individuellement, pour ces frères et sœurs qui ont été challengés par ce matériel. Je prie que tu puisses leur donner un cœur et un esprit ouvert, afin qu'ils puissent voir par eux-mêmes les vérités qui sont contenues dans ta parole. Bénis-nous, Seigneur, afin que nous puissions savoir ce que nous devrions faire, où nous devrions avoir et comment nous devrions nous comporter dans ces derniers jours de l'histoire de la terre. Père, s'il te plaît, bénis-nous, nos pensées, guide-nous dans notre prochaine étude, dans le livre de Daniel, pour lire encore plus les vérités que Jésus-Christ lui-même nous dirige pour que nous puissions comprendre
et recevoir la bénédiction. Accorde-nous tout cela, Seigneur. Nous te demandons ces choses dans le nom de Jésus. Amen.